m'appelle Raphaël, je suis collégien au collège Pont-de-Mer, à Nancy-Lerne, et aujourd'hui nous allons vous présenter une entreprise. Nous allons faire la visite de la cave de Lerne. Allez, venez avec moi, je vous y emmène. T'es comment toi? T'es bon Rémi? Je suis bon. Si tu bouges pas trop, je suis bon. Est-ce que le son c'est bon, Valentin? Ouais, c'est bon. Alors, qu'est-ce que pour vous l'entreprise? Qu'est-ce que pour moi l'entreprise? Alors je vais parler de mon entreprise. L'entreprise c'est pour moi avant tout un esprit de travail, un groupe et un plaisir de venir travailler tous les jours. Quel est votre rôle dans l'entreprise? Dans la cave de l'air? Moi, ici, je suis gérant. Ça veut dire que je travaille avec une équipe aujourd'hui de 4 personnes. Je participe aux dégustations, je participe à la décision de tout ce que l'on fait dans une entreprise. Quels sont vos débuts dans cette cave? Alors, les débuts dans cette cave, moi, ça fait 15 ans que je suis là. La cave existe ici depuis 25 ans. Aujourd'hui, nous sommes cavistes indépendants. Cavistes indépendants, pour nous, c'est important, ce mot-là. Ça veut dire que tout ce qui est ici, tous les produits que l'on voit, que ce soit les vins, les confitures, le thé, on goûte, on les sélectionne et on n'en fait qu'à notre tête. On prend si ça nous plaît et on laisse si ça ne nous plaît pas. Nous à la cave, donc on a environ 160-170 whiskies, tous sélectionnés par nos soins. Donc on sélectionne en dégustant à la cave, on sélectionne en se déplaçant sur des salons à Nantes, à Paris. Quels sont les avantages et inconvénients dans cette entreprise? Les avantages dans cette entreprise, et j'espère que c'est dans un maximum d'entreprises comme ça, c'est d'être content de venir travailler. Plus de 50% de la réussite d'une entreprise, quelle qu'elle soit, c'est la bonne entente et c'est le respect de chaque personne. Combien de variétés de bières avez-vous? Alors, en bière, ça varie énormément. En ce moment, on doit avoir 120 variétés de bière. Donc on quitte notre rayon bière pour aller en réserve pour vous expliquer également que tout ce qu'on vient de voir sur notre joli rayon bière sur des produits artisanaux, chez nous un point important sur tous ces produits-là, on peut également les retrouver en fût, c'est-à-dire sur des produits comme celui-ci, sur des fûts de 30 litres, voire sur des fûts de 20 litres. Le vin, on a 800 références de vin qui sont souvent les mêmes références. On goûte chaque année, chaque nouveau millésime, on regoûte, même si ce sont des vins qu'on connaît depuis plus de 25 ans en fait. Hein. On regoûte pour voir si ça nous convient toujours. Si ça nous convient, on garde ce producteur-là. Si ça ne convient pas, eh bien, ce producteur comprend très bien. On essaie de trouver une appellation, en fait, un producteur de la même appellation, quitte à regoûter le premier l'année d'après, ainsi de suite, quoi, en fait. Hein. Merci pour votre. Ah non, mais. Merci à vous, Brandon. Merci. Merci, Raphaël. Bonne journée. Bonne journée. Bonjour, je m'appelle Brandon, je viens de Trans-sur-Erdre, du collège Paul Doumer, et j'ai fait cadreur, journaliste, et c'est tout. Bonjour, je m'appelle Valentin, je viens de Trans-sur-Erdre, j'ai été cadreur et preneur de son. Bonjour, je m'appelle Maël, c'est Tresson, je viens de Casson. Je viens du collège Paul Doumer et j'ai été 4 heures et preneur de son. Salut, moi c'est Jean-Pascal, je viens de Nancy-Rerde et au long de cette aventure j'ai été preneur de son et cadreur. Bonjour, moi je m'appelle Chloé, je viens de Petit Marc et j'ai fait cadreur. Bonjour Raphaël, je viens de Nancy-Rerde et c'est moi qui vous ai emmené tout au long de ce reportage visiter la cave de l'herbe et l'entreprise aussi. Dans ce reportage j'ai été cadreur et aussi journaliste. Merci. Allez, 3, 2, c'est à vous. 3ème B. Les 4ème B. Allez!